Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, les amateurs de cuisine, je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit appareil qui permet de faire de la découpe de légumes ou peut-être même des fruits qui sont un peu durs, pas trop juteux. Hein. Coupeuse, mandoline à piston multifonction. Alors, vous allez voir qu'avec cet appareil, on peut faire des petites frites. Vous allez voir, petites, moyennes. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne cet appareil. Alors, ce petit appareil qu'on vous vend, donc vous recevez cet appareil fermé comme ça, d'accord. Donc, vous l'ouvrez, vous le fermez comme ça, vous ouvrez, fermez. Il se pose sur un plan de travail avec ces éléments qui sont à mettre dans le coupeur. Alors ça, c'est le bac qui permet de recevoir tous les légumes. Alors, je vais faire le montage après et faire une petite démonstration de tous ces légumes, et même de la pomme de terre, faire des frites. Alors, cet appareil multifonction, il a derrière, vous voyez, des molettes qui sont intégrées à l'intérieur. Ça, ce petit tourniquet là, qui permet d'effectuer la grosseur, l'épaisseur du légume. Et ça, c'est pour mettre des coupures en plus, c'est-à-dire faire des fractions de légumes en plus, très coupées, moitié coupées, plus coupées. Alors, on va voir les fonctions. Alors, ce piston, il fonctionne de la manière suivante. On actionne une lame. Qui coupe là ici. Alors, précaution, ne jamais laisser ça dans les mains des enfants. C'est une lame de rasoir qui est à l'intérieur. Attention. D'accord. Ce qui permet de couper les légumes. Donc, quand on a choisi l'épaisseur de son légume, si vous voulez faire par exemple des tranches de carottes, on va effectuer l'épaisseur. L'épaisseur, c'est ça. On augmente l'épaisseur ou on diminue l'épaisseur. Vous voyez ici, ça diminue le jour ici. Très très simple, d'accord. Là, vous augmentez au maximum l'épaisseur. Ensuite, vous avez des petites molettes ici que vous sortez du cran, qui permet de mettre des lames en plus, des ciseaux. Ce qui permet de les rentrer et de les fermer. Donc là, si vous voulez faire des frites, par exemple, vous rentrez les premières et vous sortez les grosses. Et avec ça, vous allez faire des frites. Enfin, vous allez faire des essais, vous verrez bien. Donc là, on va laisser sur frites. Donc, quand vous avez mis en place votre matériel, vous avez un élément qui permet de pas mettre les mains à l'intérieur. Donc on soulève cet appareil comme ça et on met le bac ici, d'accord, d'accord, de façon à pas avoir un direct avec la lame, c'est une sécurité. Ensuite, vous avez le poussoir, ce qu'on appelle l'élément poussoir, on est ici, ce qui permet de pousser les légumes. Et vous avez aussi le bac de rétention qu'on met à l'intérieur et qu'on met sur le bas de la coupeuse de légumes, d'accord, ce qui va permettre de recevoir tous les légumes. Alors, pour faire des légumes, donc vous avez plusieurs possibilités. Là, j'ai fait une découpe rapide des légumes, carottes, pommes de terre, des tranches de pommes de terre, pour faire des frites larges, rondes, ou des petites frites comme ça avec. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on peut faire des frites. Alors, ces frites, c'est la longueur des frites qu'on vous vend dans les congelés. Des petites frites comme ça. Et ça, c'est sympa à faire, franchement. Donc, il faut y penser, vous pouvez faire des frites. Alors, pour faire des... par exemple, là, je prends un navet, un navet long, vous le mettez dans le bac et vous le poussez comme ça, vous le poussez à l'intérieur et vous actionnez votre piston
Hein, ce qui permet d'avoir carrément, regardez, des frites, carrément. Vous voyez, vous avez des frites avec, carrément, hein, en long. D'accord. Alors, ça dépend de la longueur et de diamètre de votre fruit ou légume, hein, mais ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc là, on a carrément des frites. Alors là, je mets une pomme de terre. Je vais faire que des pommes de terre larges ou frites. Tiens, je vais faire des frites avec cette pomme de terre. On la met à l'intérieur. Et vous poussez votre instrument et vous coupez vos frites. Et vous avez des frites. Vous voyez ? Carrément des petites frites. Ça, c'est intéressant. Ça vous évite de couper des frites. Bien sûr, il faut les bûcher avant, hein. Juste simplement les bûcher. Mais là, vous avez vraiment des frites rectangulaires, hein, avec une côte qui se ressemble. Et ça vous évite de faire les frites à la main et perdre votre temps. Donc, c'est un gain de temps et vous avez des frites rapides. Alors ça, c'est très intéressant. Et pareil pour les carottes. Hein. Donc, c'est un instrument qui est intéressant. Maintenant, on va faire maintenant la découpe de rondelles. Donc, vous sortez les petites molettes ici, là, vous voyez, les petites molettes, vous les sortez, hein, et vous les rentrez à l'intérieur. On voit à l'intérieur, vous les rentrez comme ça, en dévissant. Il va vous rester simplement que les rondelles. Par exemple, une carotte, parce que j'ai rien d'autre à mettre sous la main. Donc, une carotte, on la pousse, et vous allez avoir des rondelles, simplement. Donc, on remet le bac de rétention à l'intérieur. Et vous avez une carotte. Voilà. Très, 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 très facile d'utilisation. Et ça coupe vraiment, vraiment très, très, très bien. Hein, vous avez des carottes plates. Alors là, bien sûr, la carotte, elle n'est pas très, très grosse en diamètre. Donc, on a eu la longueur, simplement. Hein. Mais c'est pour vous faire simplement la démonstration. Alors, ce qui est intéressant dans cet appareil, c'est qu'on peut faire des frites avec. Voilà. Hein. C'est vraiment une coupeuse de frites. Hein. Des frites de cette longueur, hein, en réalité. Vous voyez. Et c'est pas mal, hein, franchement. Voilà. Donc, la coupeuse multifonction, elle est vraiment sympa pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la cuisine et qui aime faire la cuisine. On peut vraiment faire pas mal de choses avec. Par exemple, de l'ail. On peut mettre l'ail, on met toutes les petites ciseaux en fonction. Hein, voilà, hein, ce qui permet d'avoir de l'ail, vraiment. Alors, j'ai vidé le bac. Voilà. Je mets de l'ail dans le découpeur. Hein. Il reste un petit bout de carotte. Je vais l'enlever. Bon, non, c'est pas la peine, c'est pas grave. Et on a de l'ail en. Voilà, en petits morceaux comme ça. Vous avez de l'ail. Des petits bouts d'ail pour faire vos omelettes à l'ail, etc. Donc vraiment sympa. Hein. Donc, vous voyez. Hein. Donc, bien sûr, ça saute un peu partout, mais c'est pas grave. D'accord. Découpeur multifonction, un petit appareil, moi j'appelle ça génial. Franchement, il est vraiment génial. Il y a beaucoup de possibilités et les frites, surtout les frites. Hein, beaucoup de gens aiment les frites. On peut faire des frites avec. Voilà, voilà, messieurs, dames. Donc, si vous avez cet appareil, vous avez compris comment ça marche. Si vous n'avez pas compris, bah, regardez la vidéo, vous comprendrez. Très, très facile. Alors pour le nettoyage, à l'eau tiède, hein. On démonte tout, on enlève tout. Hein. Là, vous levez le cran, hein, ici, là, vous enlevez le bac et vous passez carrément un coup de flotte en faisant bien attention de ne pas appuyer sur le piston, hein, surtout, hein, et mettre votre doigt à l'intérieur. Hein. Sans souci, ça, c'est très, très, très dangereux. Hein. Hein. Il y a un blocage ici, hein, de toute façon. Sur la gauche, d'accord. Blocage sur la gauche, hein, d'accord. Passer de l'eau tiède là-dedans, ça va le laver correctement. Hein. Voilà, hein, d'accord. Voilà pour le découpeur multifonction, un petit appareil qui rend bien service pour la cuisine. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. Salut.